On va se mettre bien. Salut, abonnez-vous. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé de nom sur ma chaîne YouTube. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué que mon nom a changé sur presque tous les réseaux sociaux, dont YouTube. Avant de vous expliquer pourquoi, j'aimerais vous assurer que ce changement ne changera rien dans le contenu de ma chaîne. Donc, si vous décidez de partir parce que ma chaîne n'a plus le même nom ni le même logo, je ne vous retiendrai pas. Mais sachez que le contenu réel de la chaîne ne changera pas. Alors, pourquoi être passé de juste une bougie à Nozilac? Déjà, Nozilac, c'est un mélange des lettres de mon prénom, donc c'est déjà un peu plus personnel. Ensuite, j'ai pris cette décision parce que je trouve que juste une bougie, c'est un peu trop vague et ça jouait de moins en moins avec ce que je faisais. Vous le savez peut-être déjà parce que j'ai déjà dit dans plusieurs précédentes vidéos, mais moi sur ma chaîne, j'ai envie d'expérimenter tout plein de trucs. Par exemple, un jour, vous pouvez avoir un classement des spatules les plus hantées, un mini court-métrage sur mes doigts de pied, et la semaine après, un vlog à Hiroshima, pour faire les choses bien. Non, plus sérieusement, voilà, en gros le nom, juste une bougie, je trouve que ça colle plus trop avec le type de vidéo que je fais. Vous avez sûrement déjà remarqué que le logo a changé, et la bannière, ça prendra un petit peu plus de temps à changer. En tout cas, merci à ceux qui restent et qui continueront à suivre mon aventure sur YouTube, et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.